Je suis la fille des propriétaires du centre équestre Le Galet Noir et aujourd'hui ma mère m'a demandé de tester un nouvel arrivant en CSO, donc c'est Banzai. Donc Banzai est arrivé mercredi avec Napoléon et Dakota et ma mère m'a tout simplement demandé de le tester en CSO parce qu'il est descendant d'une famille qui sont allés au JO de CSO. Donc pour le tester un peu, pour voir ce qu'il a dans le ventre en CSO, ma mère m'a demandé de le tester. Donc je lui ai dit pas de soucis et du coup je vais vous filmer ça tout de suite. Petit programme, du coup je vais lui faire plutôt des puissances. Donc je vais faire ma détente au pas, trot et galop toute seule. Et ma mère arrivera ensuite vers quand je commencerai à sauter les obstacles. Ma mère... de finir notre détente au pas, trot et galop. Et là, du coup, je vais aller sauter, sauf que tu m'as surprise. Ah, ok. Bon, allez, je te regarde alors. Ok.
On va commencer par du coup une barre donc d'un côté qui est sur le chandelier et de l'autre qui est par terre. Comme ça, c'est pour voir déjà, pour que tu analyses ton coup de seau. Et ensuite, on mettra des barres droites, des directionnelles, enfin, on fera des petits trucs comme ça. Ok. Ok, vas-y. Un peu, tu vois comment est son coup de seau? Oui, c'est bon, je l'ai bien analysé, même s'il l'a enjambé, je pense savoir comment il saute. Ok, bon, on se fait une petite barre droite, vraiment pas haute, hein, mais juste l'histoire de voir vraiment quand il saute. Ok. Vas-y. Motive un peu plus là, Amy. Ok, on augmente. Bon, là, Amy, c'est le dernier. Ça va être le plus haut qu'on va faire. Mais par contre, cela, s'il réussit à le sauter comme ça, après tu me fais un enchaînement. Ok? D'accord. Très bien. Bon, cette fois, tu me fais un enchaînement, tu le sautes trois fois, ok? D'accord. Deux fois à main droite et une fois à main gauche. Une dernière fois. Ouh là, tu l'as touchée, mais bon, elle n'est pas tombée. Très bien, Saïmi. Bon, merci ma fille, ça m'a permis de voir en quel niveau je vais le placer. Franchement, ça va, il saute bien, hein. Et toi, puisque tu es sur la selle, comment tu te sens? Bah, franchement, ça se voit qu'il aime sauter, hein, parce que, il est tout foufou dès qu'il est devant l'obstacle. Après, c'est sûr qu'il faut savoir maîtriser un cheval, hein, pour le prendre, hein. Tu vas pas le donner au galop 1 et 2, hein. Là, c'est juste pas possible, parce qu'il faut savoir quand même bien le retenir. Donc, je pense que tu peux le placer au niveau 4-5 à peu près. Mais sinon, il est super confortable. Ah. Franchement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Gros bisous!